Coucou tout le monde, me revoilà pour l'ouverture de colis. Donc, on a déjà ouvert quand même pas mal de petits cadeaux. Donc j'ai tout à côté de moi comme à chaque fois parce que comme je me suis un peu emmêlée des pinceaux dans les dates à cause de petits post-it farceurs. Du coup voilà quoi. Donc là on est le 9 et je vais ouvrir celui que j'avais le doute tout à l'heure pour le 9. Donc c'était des doigts de fée. Alors donc là, exceptionnellement, on n'est pas le soir, on est le matin, parce que cet après-midi, je vais faire mon passage de ceinture. Et je ne tiens pas à... Si il n'y a pas réussite de... comment dire? D'ouvrir mon cadeau avec déception. Et voilà, donc je vous donnerai le résultat demain. Et voilà. Donc, c'est une palette et je pense que ça, c'était le 1. C'était pas le 9. Décidément, Céline, tu as fait n'importe quoi. Voilà. Parce que c'est des blushs, donc bonne mine. Ça va, ça a tout son sens. Vous voyez? Donc, un superbe blush pêche que j'aime de fou. Alors, c'est vrai que je suis pas très blush, mais je vais m'y mettre. Parce que quand on a ça à sa disposition, on peut que s'y mettre. Parce qu'il est vraiment très très beau. Et il y a deux... Donc il y a un bronzer et un highlighter et un blush. Donc je pense que ça c'est l'highlighter. Le bronzer. Je vais vous les swatcher. Alors. Hop. L'highlight. Le bronzer. Donc c'est la marque W7. Donc j'ai jamais testé leur fard. Ni leur palette, ni quoi que ce soit. La seule chose que j'ai testée de W7, c'était un... Comment dire? Ce que je me sers en base à paupières pour faire mes cut crease. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que... Voilà. Donc, je suis convoquée à 10h ce matin. Donc là, on est un peu tôt. Voilà. C'est pour ça que je suis dans ma chambre. Et voilà, donc je vais pas m'attarder parce que bah, comme vous pouvez vous douter, je dois y aller, dois me préparer. Là, je vais me prendre une douche et bah, je vous dis à demain. Bisous, bye bye.